C'est quasi une icône, Farid fait de confidence sur sa compagne Amina Muaddi. Que ce soit pour une chronique à la télévision, un rôle au cinéma ou un spectacle sur scène. Farid excelle depuis plusieurs années, lui qui s'est fait connaître il y a plus de 10 ans dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Sur France 2. Depuis, le comédien et humoriste multiplie les succès, et se produira sur la scène du Dôme de Paris du 17 au 19 novembre. Pour son spectacle Aime-moi si tu peux. Épanoui dans sa vie professionnelle, Farid est également dans sa vie personnelle. Puisqu'il partage la vie depuis plusieurs mois de Amina Muaddi, une créatrice de mode de renom. En juin dernier, sur le plateau de Click, l'humoriste de 31 ans avait expliqué avoir longtemps été infidèle. C'était un de mes plus grands challenges jusqu'à présent, les relations hommes-femmes. J'ai été infidèle pendant longtemps, ça a été compliqué pour moi à ce niveau-là pendant très longtemps. J'apprends et je m'en sors bien maintenant, avait-il admis. Puis d'ajouter, je ne crois pas à l'idée de la norme. D'une façon naturelle. On n'est pas fait pour être monogame, mais ça peut être une preuve d'amour. Désormais heureux en amour, Farid a décidé d'évoquer son couple dans son nouveau spectacle. Une initiative qui n'a pas beaucoup plu à Amina Muaddi, comme il l'a confié lui-même dans les colonnes du Parisien. Dans un entretien paru ce mardi 15 novembre. J'ai été réticent surtout par rapport à ma compagne. Ça a été de grosses sources de tension, de prise de tête. Si elle devait être mon co-auteur, elle enlèverait 2/3 du spectacle, elle est exposée de façon très différente. Elle, dans son milieu, c'est quasi une icône, a-t-il expliqué. Je ne suis pas forcément à l'aise avec ça, mais faire mon quotidien avec elle, c'est accepter tout ça. Et j'imagine que c'est beaucoup plus dur pour elle. A-t-il ajouté. De rares confidences de la part de Farid, bien décidé à assumer sa relation de couple devant ses milliers de fans.